Ok, salut Jean-François, on est ici le 16 novembre pour l'un de tes derniers entraînements d'intensité en préparation pour ta prochaine grande course qui a lieu dans un petit peu moins de 2 semaines. Fait que peux-tu justement commencer par nous dire c'est quoi cette course-là que tu vas faire et pourquoi tu as choisi cette course-là? Ouais, la course c'est l'Ultra Trail Cape Town en Afrique du Sud. C'est un 100 kg avec environ 4500 mètres de dénivelé. Puis j'ai choisi cette course-là parce que c'était une course que j'avais en tête là, qui m'intéressait. Puis à ce qui paraît, c'est super, super beau. Donc, puis c'est pas tous les jours qu'on va en Afrique du Sud, là, fait qu'on va en profiter. C'est ça. Puis cette semaine, cette année, ça va vraiment être une course très compétitive, là. De ce que moi je connais, il y a Jim Walmsley puis Mathieu Blanchard qui vont être là. Ouais. Fait que ça va être une grosse course compétitive qui fait partie du Ultra Trail World Tour. Ouais, ça en fait partie, là, mais de toute façon, le World Tour est appelé à disparaître dès l'année prochaine. Parce que ça appartient à l'UTMB, puis l'UTMB vont créer leur propre circuit, là, puis le World Tour disparaît. C'est ça. Puis ça, dans le fond, c'est vraiment pas une de tes premières courses internationales, là. Je checkais ça hier, là, puis t'as quand même fait beaucoup de courses, là, très compétitives à l'international dans les dernières années. T'as fait la Transmartinique que t'as gagné, t'as fait la Diagonale des Fous que t'as fini 7e sur l'île de la Réunion, là, ce qui est une course ultra compétitive. T'as fait Transgrand Canaria, t'as fait l'UTMB dans l'année la plus compétitive en 2017. Où tu as fini 31e, puis là, c'est sûr, j'en passe beaucoup. Fait que là, vu que tu as justement un peu plus d'expérience dans les courses vraiment internationales d'un haut calibre, as-tu un objectif maintenant pour la course la semaine prochaine? Ouais, c'est sûr que je suis allé voir la liste des inscrits, puis clairement, je peux faire un top 10. Okay. C'est ça que je vais viser, puis moi, je me fixe sur un certain temps, puis je vais checker les résultats des années passées, puis je connais un peu des coureurs, là, puis je me dis, je me compare, puis je dis, ah, je peux faire tel temps. Là. Ouais. Fait que c'est ça qu'on va viser. Puis quand tu vas commencer la course, est-ce que tu vas vraiment juste essayer de viser un certain temps ou tu vas plus essayer, mettons, d'aller avec le peloton de tête ou. En général, c'est départ, je vais vraiment à mon rythme. Là. Okay. Moi, les courses, j'aime mieux comme les gérer selon mon effort, puis au pire, j'accélère. Là. C'est toujours comme ça que j'ai géré mes courses, là, mais c'est rare que je pars à bloc. Là. Parfait. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, un gros entraînement que tu sembles avoir l'habitude de faire. Si je ne me trompe pas, tu as ouais, fait exactement même. La même chose la semaine passée. On est à Cap Rouge, là, mes parents habitent à côté, là, à peine 1 km. Puis dans le fond, on fait un intervalle montée-descente. Donc, on fait vraiment l'intervalle en montée puis en descente. Okay. Puis j'aime ça parce que ça c'est quand même spécifique au trail parce que ça pratique la descente et la montée. Mm-hmm. Puis dans le fond, en descente, t'es comme en sur-vitesse. Puis ça, c'est rare qu'on pratique ça. Fait que, ouais. Fait que dans le fond, l'intervalle montée-descente, ça totalise combien? C'est 6 minutes 30 environ en kilomètres, je sais pas exactement. OK, okay parfait. Fait que tu vas-tu prendre ton temps aujourd'hui? Puis tu pourras avoir une certaine référence? Ou, Ouais, ben c'est sûr, on va le faire 4 fois. Fait que c'est sûr que part à 6:30, ben t'essayes de faire 3 autres fois 6:30, pas partir trop vite puis faire des intervalles constants. Parfait. Ouais. Fait que là on a déjà fait le warm-up, fait qu'on est situé ici que ça commence dans le fond? Ouais, ouais, c'est ici que ça commence. Là. Parfait. On peut se diriger puis on va le faire All right. partir tout de suite dans le fond. C'est bon. Je recommence pour piéton. OK. Yes!
Elle était comment celle-là? Ça a bien été, c'est bien. J'avais des meilleures jambes que la semaine passée. Ok. Ouais. Là, la récup, c'est quoi? On va prendre 2 minutes. Ok. Complètement okay. Off en marchant? Ouais, je la marche, ouais. Ok. Ah, tu n'es pas en descente, hein? Ouais, c'est fun parce que là, faut vraiment que tu te concentres plus sur ta foulée, là. Ouais. Faut que t'agrandisses tes pas. Ouais, c'est ça. Faut que ça, sa transition, là, entre la montée et la descente. T'essaies de te relaxer puis de te laisser aller. Ouais. De te laisser emporter par la pente. Mais ton rythme cardiaque doit, tu sais, quand même être élevé, même en descente, là, parce que tu roules vraiment beaucoup. Ouais, quand même. Que... Ouais, sûrement. Ouais. Cardio, c'est plus facile, c'est sûr. Ça monte. Ouais. C'est le musculaire aussi qui est le fun. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Alright, let's go, good job. Jean-François qui s'en vient, on est en haut du troisième intervalle, fait qu'on est juste au moment où c'est que c'est la transition entre la montée et la descente. Alright, let's go! Hey, good job, man. 3 sur 4. Ouais. Let's go. Ouais, ça roule en descendant. Ah ouais. Vas-y. Justement, là, tu dis, c'est comme tu l'as mentionné tantôt, c'est. Tu fais un peu de sur-vitesse, là, dans le sens que. Ouais, vraiment. Tu fais de la vitesse que tu vas jamais faire dans ta course, là, c'est genre du 2 minutes 45 du kilomètre. Ouais. Mais comment tu penses que ça va t'aider, justement, pour ta course? Ben, c'est pour les descentes. Ça pratique vraiment ta descente, puis une course. Surtout en trail, là, ce qu'on dit, c'est que ça se gagne en montée, mais ça se perd en descente. Ouais. Fait que si t'es hâte de bien descendre, en fait, tu vas juste rattraper le monde qu'eux sont pas capables. Ouais. C'est un peu des kilomètres gratuits, tant qu'à moi. C'est ça. Et là, j'imagine que, tu sais. Ça pratique ta foulée de descente à être économique en te laissant aller. Ouais. Puis allonger ta foulée. Parce que là, tu vas descendre à 3 minutes 30 du kilomètre, puis ça va paraître comme un jog, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, j'ai mon soulier droit a commencé à ouvrir. Ah ouais? Ouais, mais mes souliers ont 1300 kg. C'est un nouveau soulier. Ouais. Ouais, un dernier? Ouais. Alright.
C'est parti, let's go! Ouais, il y a un vent de face en plus en dehors. Ouh, là. Allez, let's go, let's go! Ok, dernier intervalle et dernier bout de la descente, il reste environ 400 mètres. Good job, man. Yes. C'est bon, man. Ah, combien de temps le dernier? Ah, j'ai ralenti. Peut-être 3 secondes de plus à chaque. Ok. Mais, c'est parti un peu trop vite. Voilà. Ouais. Peut-être 19, 22, 25, 28. Ok. Mais l'effort était quand même. Tough, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a une question que je me posais, moi, là. Je te suis sur Strava, puis je te vois vraiment souvent faire des très longues sorties, tu sais, du style 40, 50, 60 km. Mais non seulement tu fais une longue sortie, mais tu les fais vraiment fréquemment, genre quasiment à chaque fin de semaine, on dirait. Tu sais, juste pour donner un exemple, cette fin de semaine, samedi et dimanche, au total, ça fait 75 km avec comme 3000 mètres de D+, dans la ZEC des Martes, là, fait que c'est vraiment pas des sentiers faciles. Comment tu fais pour récupérer tes entraînements-là? Tu sais, là, on est mardi, on est seulement à 2 jours de ces longues sorties-là. Comment tu fais pour récupérer entre? Ben, c'est sûr que ça fait longtemps que je fais ça, donc plus j'en fais, mieux tu récupères. Mais c'est surtout aussi ces sorties-là, tu vas être vraiment au pace du bonheur. Là, ouais. Tu vas vraiment pour. Tu vas un pace pour faire toute ta sortie, ta longue sortie. Mm. Tu sais, peu importe. Ça va prendre combien de temps? Ouais. Comme là, tu sais, on a fait, mettons, 42, 33, grosso modo, samedi, dimanche. Mais okay. Tu sais, samedi, ça nous a pris 8 heures, là, faire 42. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on est relax. Ouais. Fait que, mais dans le fond, moi, je fais souvent ça, hein, parce que j'adore ça, me promener dans le bois. Ouais, c'est ça qui est hot, là. C'est toujours des parcours, là. C'est pas juste comme. Des beaux paysages, tu sais, ouais. On va pas juste dire faire, ah, faut que je fasse 50 kilos dans le bois. Là. Je m'imagine tout le temps un parcours, découvrir des nouveaux endroits. C'est vrai que tu sois directeur de course. Ouais, être en forêt. Ouais. Puis pour la récup, ben, c'est vraiment d'écouter son corps. Comme là, oui, on est mardi, mais hier, j'ai pris repos complet. Okay. Puis, mettons, j'ai marché pour aller travailler. Ouais. Ma job est à comme 1 ou 2 kilos de où j'habite, fait que c'est comme parfait. Ouais. Ouais, écoute, merci beaucoup pour aujourd'hui, puis yes. Bonne chance, man, on va suivre ça. Ouais, merci, man. Merci d'être là.